Donc l'idée en fait des femmes qui vont venir sur le bus, c'est aussi de faire de la prévention avec elles, de les sensibiliser et ensuite les orienter. Donc j'accueille les femmes, j'essaie de leur expliquer ce que nous faisons et je les dirige vers les spécialistes. Conseiller conjugal et familial au sein de l'Office des femmes et je participe à l'accueil. Nous, en tant que médecins, on va surtout faire du dépistage, donc de la prévention. Donc ici, on va prendre la tension, par exemple, faire le dépistage du cholestérol, du diabète. J'exerce ici en tant qu'infirmière. Je fais des tests de dépistage auditif et visuel. Donc ici, on a la machine qui permet de dépister des potentiels troubles auditifs. Cette machine permet de détecter les éventuels troubles visuels. On va s'assurer que la personne va repartir d'ici mieux que ce qu'elle est arrivée. L'objectif, c'est qu'elle reparte d'ici en ayant vidé son sac quelque part, compris ses besoins,